Bonjour, j'ai une question à poser aux députés européens. Lors des élections fédérales en Belgique, un Wallon n'a pas le droit de voter pour un Flamand et un Flamand n'a pas le droit de voter pour un Wallon. Donc la situation est déjà compliquée en Belgique. Alors comment imaginez-vous ce scénario au niveau européen? Que pensez-vous d'élections transnationales au niveau européen? Élire une partie seulement du Parlement européen sur des listes transnationales, voilà bien une idée qui pourrait renforcer la cohésion politique en Europe. En effet, ça veut dire que les candidates et les candidats qui se présenteraient dans cette circonscription fédérale européenne seraient obligés, pour être élus, non pas de défendre un discours qui répondrait aux attentes des électeurs d'une circonscription particulière en Europe, mais bien de tous les Européens potentiellement. Et donc, par exemple, sur la question de l'avenir de la zone euro, ça, il ne serait pas suffisant de tenir un discours facile à faire avaler en Allemagne ou facile à faire entendre en Grèce. Il faudrait avoir un discours suffisamment articulé pour que la vision soit à la fois cohérente mais recevable, à la fois, par exemple, en Allemagne et en Grèce. Et ça, ce qui est vrai sur ce thème-là, est vrai évidemment sur l'ensemble du spectre des préoccupations politiques. Ça obligerait donc les candidats à sortir quelque part de leur coquille nationale pour défendre l'intérêt général européen, ce qui est en principe la mission de tous les élus européens. Et donc nous les Verts, fondamentalement favorables à cette idée, et si on le fait, il faut évidemment le faire pour une partie substantielle du Parlement européen, je pense par exemple à au moins un cinquième de ce Parlement.